Vas-y. Attends, Pierce qui progresse à droite. Pierce. Et l'ouverture du score. C'est Naf qui vient ouvrir le score sur cette action. Ça fait 1 pour les deux. 1-0 pour les Gothic Damien. Et à 54, les Gothic qui travaillent. Et Guy Pierce. Et la caméra qui est demandée parce qu'il me semble que c'est du patin. C'est du patin que rentre ce palais. Certains volontaires. Quand il n'y avait pas le geste, la déviation. Et il passe tout pour le troisième but en break des Gothic Damien. Gothic Damien qui mène 3-0 à 1,46 de la fin de ce premier tiers. Allez Briançon, faut installer le power play maintenant. Il reste une minute. Voilà, on est bien rentré en zone. Et le but ! Et le but sur cette déviation, ça demande la vidéo, mais pour moi il est validé, ça a tapé dans la crosse du joueur. Après, est-ce qu'il est pas dans la zone ? Ça reste à vérifier. J'ai un petit doute. Et un arbitrage vidéo en plus pour ce soir. Pour peut-être le 3-1. Ça va, qui bosse pas les, qui peut partir en break. Sabatier qui vient crucifier Richard avec sa spéciale. Tenter le shoot, non, ça décale. Bon. Avec Pierce, qui lance de Pierce. Et le cinquième. Il est signé Pierce sur une assise de balle.
Vas-y, faut aller. C'est récupéré par Briançon en zone d'attaque. Schmitt. Et Schmitt, Schmitt, peut-être le shoot. Et le but. Le palais qui passe sous le bras de bis. Et Schmitt qui vient réduire l'écart. 5 buts à 2 maintenant. Récupéré par Pierce. Et si ça donne pour les gothiques d'Amiens. Action entreprise par Pierce hein, qui vient couper cette passe. Et qui est pris par deux défenseurs en laissant le palais derrière lui. Et c'est Nas qui vient finir le travail en ajustant Jean Richard. Norval. Il reste 30 secondes dans ce match. Nas, lancer de Nas. Et Nas. Et le 8ème but hein, qui vient conclure quasiment.